Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de l'Espace 2 avec les Nakalim. Alors, aujourd'hui, on va continuer nos colonisations à droite à gauche. Par contre, je me suis dit, entre l'épisode d'hier et d'aujourd'hui, c'est qu'il va nous falloir un joli petit système plein de brume. Et j'ai l'impression que ça ne court pas les rues. Clairement pas. L'industriel. Mais on n'a pas. Ouais, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ah, ici on a, c'est pas trop mal niveau brume. Ouais. Piu. Sirius là-haut. Alors ça c'est tout pourri. Ah, il y a que deux planètes donc c'est pas tip top. Ici non plus, c'est pas top. Pareil. En fait, on n'a pas de système de folie niveau brume. Hein. On va falloir s'intéresser aussi un peu comment est-ce qu'on peut faire. On va tester ça. Dans cet épisode ou dans l'autre, on va voir peut-être dans celui-là. Est-ce qu'on peut lancer des attaques? Normalement oui, mais sans déclarer de guerre. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Alors, on était à finir le tour. Le problème, il est là, c'est ça, c'est les thunes. Alors, hop, ça c'est bon pour le moment. Cool. Peut-être si vous commencez statistique vitale. Ouais, bâtir. 323 sur l'un de vos systèmes. The Academy has a request for you. Ah putain, l'Académie a besoin de ressources de thunes supplémentaires. Ouais, super. Ah, pour le moment, non. Je suis désolé. C'est dommage parce que en fait, j'ai pas. Speak quickly. Yeah, je te donne un. The Academy will remember. Bon, la mission actuelle, un. C'est pas se foutre de la gueule des gens, ça, c'est, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors. Départ pour aucune destination. Ok. C'est bon, c'est que les populations sont motivées. Et ça, c'est une bonne chose. L'Empire est loyal. Alors. Ah oui. Donc c'est ça que j'étais venu voir sur Centaurus 323. Niveau industrie 323. En sachant qu'on perd d'argent, bah on va tenter ça. Ouais, qui pense 300. Alors en même temps, si on le fait pas, on va pas en mourir. Hein. Ok. Bah c'est cool. Est-ce qu'il y a des
choses qui pourraient être... Ça me sauve la vie, je pense quand même. En fait, Juven, il doit faire la science à Gogo. Ouais, 61. Voilà. Waouh. Non. Ce sera pas ça qu'on construira en premier. Loin de là. Alors. Ici, mais on n'est pas en mode guerre, hein, les gars. Faut pas non plus. On n'a qu'à stresser. Alors, ici. Ça plus ça. On peut faire fusionner. Oui, voilà, merci. Et alors, on va voir si on peut l'envoyer là. Ça, oui. Ça, c'était des certitudes. Ensuite, toi, tu sais pas quoi faire. Bah, alors, déjà, tu vas envoyer des sondes genre par ici et par là. Sur un tuyau, ensuite un mec. Voilà, fin du tour. Ah non, j'ai pas fait. Alors, là, il y a un nouveau vaisseau. Ça, c'est une chose. Économie, c'est ici. Je vais augmenter mes thunes. À proposer. On va faire ça. 5 tours. Comme ça, logiquement, on débloquera ça. Et on débloquera le palier suivant par contre. Ah, pour améliorer au niveau 3. Hop. Donc ça c'est fait. Et fin du tour, cette fois c'est la bonne. Commencer à envahir, non. Ah oui, ils ont 500. Lui, il a combien d'or? 250. Ouais, j'arrive qu'avec 550. Hein. Ça donnerait presque le coup de refaire. Hein. Choses à découvrir, je pense. Hein. Alors, par ici ou par là. En attendant, tu récupères les reliques. Bon, on est largué presque par tout le monde, sauf par eux. Moins 44, mais. Vous avez découvert la planète Thor. La citienne d'Est s'est développée sur ces grandes planètes froides dans l'orbite autour d'une étoile appelée Prime.
Bien qu'il s'agissait du lieu de naissance de cette culture qui a dominé la galaxie pendant des siècles, ils furent forcés de le quitter lorsque la surexploitation des Stalingrad noyaux et la coupe provoquant des changements sismiques. Mettant une grande quantité d'artefacts, et malgré sa réputation quasi mystique, cette planète possède un héritage tragique. Ah, d'accord. J'ai exploré 50% de la galaxie. Bon, bah, c'est cool. Fermé. Ah, et si, il est tort. D'accord. De la galaxie explorée. Ok. Allez-y, mes petits vaisseaux. On progresse. Toi, tu vas venir. Oh, t'arrives au prochain tour. C'est bien. Alors, fin du tour. Chercheur chagriné. Il semble qu'un congrès scientifique intergalactique se soit transformé en constellation sociale. Ils en sont arrivés à la conclusion que personne n'appréciait leur travail à sa juste valeur et qu'on cessait toute expérimentation jusqu'à ce que leur salaire soit augmenté, leur équipement amélioré et leur travail présenté de manière plus professionnelle. On va vendre. Ouais. On va faire ça parce que déjà, si je mange moins de science, déjà j'en ai pas beaucoup alors. Alors, on a colonisé ça. Et ça. Planète creuse, ça donne quoi ça comme boost? Plus 1 de science par pop, plus 3, plus 1 d'emplacement de population. D'industrie. On gagne 5 et on gagne 4. Ça reste ici. Ici par contre elle est hyper colonisable cette planète. Alors par planète. Bah allez. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de pop ici, c'est ça le souci. Baisse des prix des vaisseaux militaires. On va aller voir. Je veux bien les gars, si vous pouviez avoir des trucs un peu potables, ce serait bien. Les étuyers 3. Ah bah c'est les deux vaisseaux que j'ai balancés tout à l'heure. Moins 145. Pourquoi moins 145? Ah bah oui, parce que du coup, avec leur événement à la con, là, je me retrouve bien embêté, pour pas dire autre chose. Tu fais juste récupérer la relique, s'il te plaît. Tu te fais petit. Quête solo ratée. Ah. D'accord. Un autre membre du cercle intérieur d'Alexander vous contacte. Un souffle très intense, appelé. Voilà, je vous laisse lire. Vous ne parvenez pas à filtrer ces appels et il vous parvient sur des appareils dont personne ne connaissait l'existence. Il semble qu'il soit le chef du renseignement et de la sécurité d'Eisenberg qui s'intéresse de près aux affectations de vos héros. Il vous demande simplement d'améliorer l'expérience et les compétences d'un héros et vous assure qu'il apprendra tout ce dont il a besoin en suivant ses progrès. Lorsque vous lui demandez comment il compte obtenir son information, il lève les yeux au ciel et lit les listes de vos mots de passe et de sécurité
et un commentaire désinvolte sur le contenu de votre coffre-fort. Enfoiré, bah. Veillez à ce que votre héros obtienne l'expérience et la puissance où il pourrait chercher un héros atteint le niveau 9. Ok. Ils en sont où les héros au nouveau niveau? On a un niveau 7. À l'entretien aussi, c'est ça le problème. Passer le tour et ne rien construire parce que là ça m'intéresse pas, ça coûte trop cher en fait. On va faire ça. Fermé. Il y a deux vaisseaux qui ne savent pas quoi faire. Donc toi tu vas venir ici. Arriver dans 100 000 ans. Toi tu as fini ici. T'as récupéré la relique. Découvert des choses. Et tu vas passer ici. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ah bah ça c'est cool parce qu'on va pouvoir faire de l'argent en fait. Fermé par le moment. La tienne compromis. Ok. Alors ici, sur Centaurus, on va faire ça pour le moment. Ok. The Unfallen watch you, unsure if your actions will enforce or ruin the harmony we seek. Question bête, mais ô combien importante. The Unfallen greet you in. Changer de position. Il ne connaît pas ses relations avec les autres. Ah, il connaît même pas les autres. D'accord, donc il n'a pas d'alliés. Donc en fait, on peut faire un peu de pression, c'est pas bien grave. Alors, il y avait autre chose à faire, du coup, je pense, avant de. Thank you.
Il est pas un... The unfallen watch you, unsure if your actions will enforce or ruin the harmony we seek. Ah, ça c'est si je peux avoir l'impression sur les autres, genre lui surtout. Some things in this cosmos we have come to understand. Il y a quelque chose, hein, je crois que je peux faire sur mes flottes. Mais je sais plus quoi. Plus il y a quelque chose qu'on peut faire pour qu'ils croient que c'est pas nous qui les attaquons. Mais je sais plus ce que c'est. Alors une nouvelle recherche. Fil construction ville sur Zuben. Celle-ci et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors d'ici ah oui, pour info du coup, vu que notre let's play sur Transport Fever 2 est terminé, vous aurez 3 jours supplémentaires jusqu'à la fin du mois. En fait toute la semaine ce sera du Day Space, donc ça veut dire que demain, vendredi et samedi il y aura aussi du Day Space 2, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve demain. Et d'ici l'épisode de demain, il faut que je regarde pour cette histoire que je crois qu'on peut faire en sorte d'attaquer un adversaire sans lui déclarer la guerre. Et on verra ça demain ensemble. Sur ce, bah, comme d'hab, si vous avez envie de vous abonner, tout ça, bah, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à demain pour la suite. Salut tout le monde.